Eh bien, bonjour tout le monde, ça c'est ça, aujourd'hui nous nous retrouvons sur Morrowind. Oui, ça faisait un petit peu longtemps que j'avais pas joué, mais bref, avec Pokémon, tout ça, le doublage, bref, c'est sans importance. Et donc, punaise, mais cette musique absolument délicieuse qui est là, tu vois. Bon, c'est pas grave, c'est absolument pas grave. Donc, on devait aller chercher un livre, mais on devait aussi accompagner quelqu'un. Et qui se nomme Tenewim, l'érudit, jusqu'à l'elfe des mers. Très bien, et elle est où? Elle est où cette bouffonne? Ouais, mais je veux bien moi, mais elle est où? Enfin, il est où? Enfin bref, je me suis comprise. Dabienne, Uleni. Et moi, je veux bien, hein. Y a pas de problème. Non, toi, c'est tout ça, Mireille. C'est pas pareil. Oh, la petite rime qui fait plaisir. Non mais de toute façon, ça, toi, hein, les rimes. La poésie, ça te connaît, hein. Je veux dire, bah, sniffer les fleurs, danser avec les papillons, tout ça, quoi. Quoique avec ton caractère, t'aurais plutôt tendance à sniffer les papillons et voler avec les fleurs, mais... Ou alors, sniffer les fleurs et bouffer les papillons. Oh. Je pense pas que ce soit là. Je déteste cet endroit, il y a une raison. Bref, bon, je vais encore me paumer. Complexe du serval, guide des guerriers. Mais qu'est-ce qu'elle fout là, la guide des guerriers aussi? Alors, complexe du serval. Complexe du serval, bref, c'est compliqué. Tellement compliqué cet endroit, wesh. On va pas faire un truc simple. Complexe du serval. On va pas faire un truc simple pour une fois, sérieux. Ici on sort, va y avoir un garde qui va faire le coucou. Bon. Le chargement, j'adore ça, c'est mon meilleur ami. J'aime bien le manger avec une crêpe, tu vois, comme ça. Ouais, parce que j'aime manger des crêpes en fait. Ok. Très bien. Oh, joli ciel. Très très joli siège. Oh! Je vais pas savoir si ça bouge ou pas. Ça m'énerve. Bon bref, on descend. Wouh! L'épisode le plus fun du monde. J'insiste. Bref, c'est pas ici. On redescend. Ta 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 la 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 ta ta. Guide des mages. C'est pas ici pour s'en aller. Je me casse. Oh! Non, j'ai déjà pris. Mince, je suis trop une. Je suis beaucoup trop pillarde. Et ta 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 la 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 ta ta la ta ta. Sanctuaire impérial. Ouais, bonjour. Alors, l'auberge du passage est l'établissement que les Talvani mettent à disposition des étrangers en visite à Sadritmura. Ouais, donc c'est l'auberge du passage, probablement. Je vais me paumer. Oh! Wow! Ok, on a réussi à sortir. Il y a du progrès. Il y a du progrès. Attends, j'ai vu ce que j'ai vu là. Hop. Jamais oublier de voler les loupiottes. Oh, j'ai cru que je m'étais fait griller. Parce que ça a fait un bruit bizarre. Mais non, c'est bon. Je me suis pas fait griller, c'est pas grave. Par contre, j'ai un petit peu trop de kilos. Ça, par contre, comment ça se fait d'ailleurs? Ah oui! Ah bah ouais, forcément, je l'avais un peu oublié, elle. Fais voir. Est-ce qu'elle re... Oh! Elle m'a l'air très 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 stylée. Attends, c'est R, c'est pour les sorts. Et A, je crois, c'était pour les armes. Hein? Ah non, c'est le... Oui, bon, forcément. Oh là, un très très gros style par contre. Je sais pas si c'est pas une dague d'Edric en fait. Parce que bon, 9 kilos la dague, ça fait un peu lourd quand même. Ça sent bien la dague d'Edric quand même. Et 8-12 la... Punaise, elle déconne pas la dague, hein. Elle te voit, elle te perce les côtes, quoi. Oh mon dieu. D'ailleurs, elle est où mon épée magique? J'avais une épée magique? Où je l'ai foutue? Non, parce que t'es gentil, hein, mais bon, pas grave. C'est sans importance. Bon, bah mec, écoute, on va y aller à... Qu'est-ce que j'ai qui vaut pas cher? Tu te fous de moi? Mais pourquoi j'ai que des trucs utiles aussi? Punaise. Punaise. J'ai que des trucs utiles. Des trucs utiles ou des trucs qui valent cher? Bon, fais péter là... Non, ça vaut quand même 35. Cette grosse radine, non. Non, pas les potions de santé, surtout pas. Bon, la magie, ça peut se discuter. Voilà, c'est bon. Non, arrête d'avancer par contre, merci. Parce que forcément j'avais activé le truc automatique. Oh punaise, pourquoi vous mettez des trucs que je peux voler? Arrêtez de me tenter. Oh! Non, finalement c'est bien que vous me tentiez comme ça. Pas un truc au fond de la caisse? Non, y'a rien. Et ta 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 la la ta. Oh punaise, j'ai cru qu'il y avait un garde en haut, je me suis... Athlétisme, très bien, d'accord, sans pression. Ici j'ai déjà volé si je me souviens bien. Ici il y a un puits, d'accord, pas de pression. Hey, salut! Vous êtes un garde Telvanni, ça se voit, rien à quoi votre tête, vous ressemblez à Cthulhu. Bon, peut-être pas à Cthulhu quand même, mais... Bon. On sait que Bethesda, c'est des fans, donc écoute.
parler en toute confiance. Nah, moi je fais pas confiance au genre dans ton genre là. Eh, 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 t'as cru que tu faisais la loi juste parce que t'es devant le pont. Eh, eh, faut arrêter hein. Pardon. C'est nerveux, c'est les crêpes, c'est le sucre, ça monte au crâne, enfin au cerveau. Comment elle est trop mignonne. T'es trop mignonne. Alors, oui, allez. Suivez-moi. Je sens trop l'arnaque. Par contre, l'elfe des mers. Les quais, c'est où? C'est où les quais? Ouais, bah, suis-moi. C'est où? C'est le navire de Gala. Il se trouve plus loin à l'ouest. Ah, c'est bien de me donner les directions qu'il faut. Tu veux pas me mener? Non, parce que moi, je suis un peu une bouffonne, en fait. Je t'explique, mais moi, je suis un boulet, en fait. Alors, l'ouest. L'ouest, dis-tu? Bon, de toute façon, c'est pas comme si on risquait grand-chose, hein. Je veux dire. Attends. L'ouest. L'ouest, nous disions. C'est où l'ouest? Non, parce que je suis un boulet, en fait. Bon. On va dire que c'est par là. Et si c'est pas par là, bah yolo. On avisera. C'est quand même vachement silencieux, hein. Putain, elle est super belle, par contre. Je suis sûre qu'elle va réussir à crever. Je veux pas qu'elle meure. Parce que j'ai besoin d'elle. Genre, vraiment. Du coup, ça va pas... Ça va, tu peux te dépêcher un peu, hein. C'est pas comme si tu portais une armure en cuir, hein. Encore en cuir, c'est léger. Ah, il pleut. Mais c'est quoi cette arnaque? J'ai pas été payé pour ça, moi. Ah, c'est là. Je les vois. Tu les vois? Tu les vois, tu de Muriel. Je t'appelle pas comme ça, mais c'est pas grave. Eh bien, on va descendre, on va passer par là. Et tu me suis cette fois. Allez, viens. Allez, je vais me marier avec elle. Voilà. Encore une, j'ai envie de te dire. Allez, viens. Allez, on est bien ici. Elle voulait que je l'accompagne. Enfin, je veux dire, on aurait croisé des Telvanni, d'accord? Mais regarde, il y a pas de Telvanni ici. Enfin, si, mais c'est tout. C'est tout. Je m'étais muni de ces parchemins des fois qu'il arrive quelque chose. Comme je suis arrivée sain et sauf, je pense que vous les méritez. Mais c'est une femme. Et tu te considères comme un homme. Mais j'ai rencontré mon alter ego, mon Dieu. Par contre, les parchemins d'appel d'Atronac, là, toi, tu me plais, hein. Tu vas pas juste être mon alter ego, on va se marier ensemble, hein. Et c'est tout. C'est vraiment tout. Ok, bah écoute, d'accord, si tu veux. Bah c'était très sympathique cette petite quête, hein. Ça m'a permis de gagner des parchemins d'Atronac, tout ça. Ça m'a permis d'apprendre que l'Ouest était bien à l'Ouest. Zassa, mon Dieu, faudrait vraiment que t'arrêtes de dire n'importe quoi. Faudrait surtout que j'arrête de manger du sucre, parce que ça me réussit pas. Mais qu'est-ce que tu veux, on est blueberry ou on l'est pas, hein? Bon. Ici, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a des hauts. Oh, attends, est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Complètement. Oh. À moi. Voilà. C'était gratuit. C'est... Par contre, ça va vite me saouler si mon personnage n'est pas capable de supporter 2-3 feuilles, hein. C'est magnifique, quoi. Ah, mon Dieu, j'ai ramassé une feuille. Bref, une potion de soin à bas prix. Ah, arrête. Mange. Bois. Tu sais. Bref, c'était tout à fait discutable comme humour. Mais bon. Bah oui, quoi, oui. Qu'est-ce que t'as à me dire, oui? Tu veux un coup de tête, c'est ça, regarde. Regarde-moi dans le blanc des yeux, mec. Voilà, t'as cligné des yeux. T'es une victime, mec. Hop, double baffe et je me casse, salut. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal ce qui se passe, vous inquiétez pas. Bref. Bonjour monsieur, regarde Tevani. Ça va, il est intéressant votre mur? Non, parce que j'ai l'impression que vous regardez le mur. Si vous êtes capable de voir quelque chose avec son casque, hein. Punaise, on a trouvé. Mon Dieu, c'est une espèce de... C'est la buveuse d'âme. Enfin, tu sais, pas la buveuse d'âme Madag, hein, mais tu sais, dans Undertale, le truc que... Oh, tu restes là quand je donne des explications. Voilà, tu restes là. Arrête. Voilà. Tu vois, genre, il y a un truc sur les côtés et tout, et bah en fait, c'est, tu sais, la buveuse d'âme, je l'appelle comme ça, hein, c'est ce qui extirpe la détermination dans Undertale. Enfin, tu sais, le truc avec les tuyaux et tout, et bah ça me rappelle ça, je sais pas pourquoi. Pas du tout, parce que t'as fait 4 fois la run pacifiste et 15 fois des runs neutres, hein, rien à voir. Oh, une lente. Une lente. Non, c'est pas une lente, non, ça, c'est... Let's cap, Ah, mais ça pèse 10 kilos. Ah, d'accord. Non, ça pèse 5 kilos, ouais, non, c'est tout. Bon, tu sais quoi, on va regarder une pour le RP. Voilà. Je vous en ai rendu 2. J'espère que vous êtes contents. J'en garde une parce que bon, c'est pour la déco et la collection.
Le complexe du serval. Hop, hop. Par contre, pourquoi tu ne sais pas courir? Ah, oui, forcément. Forcément. Ah, si j'ai oublié d'enlever la discrétion, c'est pas très pratique. Oh, c'était pas joli à voir, ça, par contre. Je vais enlever ça. Voilà, c'est dégueulasse. Voyager et tu vas m'emmener. C'était à Vivec ou Aldrun? Attends, je vérifie dans mon agenda. Alors, oui. Aldrun. Par contre, y'a plus de musique. C'est carrément glauque. C'était Edwina. Donc, Lizard. Oui. Je suis heureux d'apprendre que Tenemewin est arrivé sain et sauf jusqu'à l'île de Demeir. T'en as d'autres? Oh, punaise. Mais le second est très rare. Si vous pouviez même le trouver, je saurais vous montrer ma reconnaissance. Je vous conseille d'aller voir les Landers de livres rares. Bah, ça tombe bien. On va aller chourer. On va aller chourer. Complètement. Alors, Vivec, c'est Aldrun. Punaise, j'ai déjà oublié. C'est Vivec ou Aldrun? Mon dieu. Alors. Aldrun. Je sais pas pourquoi j'ai Vivec en tête. C'est horrible. Genre, vraiment. Ah! Non! Non, je l'ai fait en plus! Bon. Du coup, comme on est à Vivec, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir le bouquiniste. Parce que bon, comme ils nous ont parlé d'aller voir quelqu'un rare, tout ça. Ça peut aider. Mais il y a vraiment plus de musique, quoi. C'est trop glauque. Genre, vraiment. C'est trop glauque, ce truc. Non. Si, c'est ça. Si. Voilà, c'est ici. Je vous rappelle qu'on a complètement galéré la dernière fois, alors que c'était tout bête. Mais je ne galérerai pas de nouveau. C'est hors de question. Parce qu'en fait, il fallait prendre un petit détour et tout. Mais c'était... Oui. C'était dans les complexes inférieurs, je crois. C'était dans les complexes inférieurs. Ils étaient par là. C'était un truc un peu tordu comme ça, là. C'était par là, je crois. Alors, quartier étranger. Non, c'est pas là. Ici, c'est pas là. Mingay. Ça fait très Merlin, quand même. Enfin, non, ça fait pas Merlin. Mais c'était juste pour placer Merlin. Quartier étranger. Alors, je suis déjà allée. Voilà, les livres rares de Jobacha, donc c'est à côté. Je sens que cette musique va me rester en tête toute la journée. Ça va être génial. Après la petite dissert de français, c'est tout ce qu'il me fallait. En fait, est-ce que c'est... Non, c'est pas là. Oh, mais on sait jamais, hein. On sait jamais, hein. On peut pas savoir, après tout. Bref. C'est quoi, ça? C'est quoi, ça? Les canons du quartier étranger, on s'en fout. Non, ça c'est la console, on s'en fiche aussi, merci. Alors normalement c'est censé être tout au bout, mais normalement peut-être qu'en remontant et en passant par derrière ça devrait aller mieux. Quoi, nous du quartier étranger, effectivement c'est pas par là. Peut-être par là. Ouais, c'est sûrement par là même. Apothicaire, arrête de me traiter de crapule ou je te mets un coup de tête. Alchimiste, et ici c'est les livreurs de Jobacha. Écoute ma petite Jobacha, est-ce que t'aurais... D'accord. T'aurais pas le livre que je recherche des fois? Arrête de me parler mal. C'est un livre rare. Le temple n'aime pas ce livre. Je vois. T'en veux? Allez, un petit peu. Ouf, j'aurais plus beaucoup d'argent, hein. Ça va être très très chaud. Allez, s'il te plaît. Ah. Allez, tu dois bien l'avoir. Peut-être, non? Ouais, et elle l'a. Elle l'a complètement, donc on sait qu'elle l'a. Donc, ah, pardon, dégage. Non, vraiment, merci. C'était gentil. Tu vas rebouger ou pas? Non, parce que je peux essayer de fouiller en haut, voir si elle l'a ou pas. Alors, de l'art des affaires. De l'art des affaires? Ça ressemble beaucoup à d'autres titres un petit peu plus connus, mais bon. J'ai trop envie de chouraf des livres, en vrai. Je sais pas vous, mais j'ai trop envie de chouraf des livres. La fille, elle va chourave des livres, quoi. Oh! Promis, j'ai rien piqué. C'est pas moi, il s'est barré tout seul. La marche en avant de la vérité. Promis, c'est pas moi. La maison des troubles, la nuit à paraphraser, la légion des morts, Mysterior à Kavir. Oh, un crâne! Oh, mon dieu! La nuit à paraphraser, origine de la guerre des mages, les bois ancestrales, Barendia, la livre des saints, la porte des esprits. Ok.
Les couvertures sont super jolies par contre dans Morrowind. Il n'y a qu'à voir la façon dont je suis émerveillée en les voyant. Par contre, j'espère que je suis pas ruinée. Parce que sinon, je vais me sentir très très bête. Genre vraiment. Du coup, c'est à côté. Non, c'est pas là. D'accord. C'est pas là. Sinon, c'est pas drôle. Ouh, je peux descendre. Ouh, j'aime pas ça. La vie qui stresse pour rien. Ouh, j'aime pas descendre comme ça là. Non, ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. Bref. Oh, il est où l'endroit où je dois aller? L'endroit où je dois aller, il est où? Est-ce que c'est pas ici par hasard? Est-ce que c'est pas ici? T'as pas l'impression de flotter un peu dans le vide des fois? Arrête de me traiter de crapule même si j'ai piqué un livre. Ça me plaît pas. Ah d'accord, ouais non, c'est moi qui m'inquiétais pour rien. D'accord, pas de problème. Complexe supérieur. Non. Attends, non, non, c'est pas ici. Et les complexes supérieurs. Et il y a la place avec la guide des mages. Oh, et puis YOLO, on va y aller comme ça. J'ai plus rien à perdre de toute façon. Allez. Alors où que c'est? C'est où l'endroit? Faut que j'aille. La fille qui commence à se vénère. Ok, c'est pas ici. D'accord, donc si j'avais raison, ce n'était pas ici. Bref. Ah, j'ai mal. Je souffre le martyr. Du coup, ici, c'est les quartiers supérieurs. Et ici, voilà. On est réatterri où qu'il fallait. Je meurs. Punaise, y'a pas de musique. C'est la dépression profonde. C'est la complète dépression. Si ça se trouve, je vais devoir couper en plein milieu, vous allez rien comprendre. Donc peut-être qu'au revoir, hein, je ne sais pas. Je ne suis responsable de rien. Ouais, ma voix, elle fait des trucs bizarres des fois. Bah tu m'emmènes à Aldrun du coup, parce que c'était là que j'étais censée aller. On a commencé à corrompre la Khajiit, la prochaine fois on arrivera avec quelques sous en plus, on lui balancera des billes à la tronche, et puis bah voilà, ça devrait passer. Du coup, faut que je chourave un livre à quelqu'un. Je sais pas qui c'est. C'est vraiment embarrassant. Alors, Tenemuin, c'est bon. Alors, j'ai acheté un exemplaire. Hein? Quoi? Attends, quoi? J'ai loupé quoi? Oui, c'était les chroniques de Njeleft, et c'est le Shirmar Viridium, que tu peux trouver super facilement dans les autres jeux. Et c'est Vivek! Et c'est Vivek! Donc c'est pour ça que j'étais persuadée que c'était Vivek. Mon dieu, je suis aveugle. Je crois que je vais le faire au prochain épisode parce que je suis en train de décéder là. Et c'est quoi cet espion là? Oh, j'aime pas ça du tout par contre. Bref, on verra ça au prochain épisode, donc je vous dis sayonara!